Yahoo Bidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur mes achats, mes 6 derniers mangas achetés pour ce mois de novembre. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc honnêtement, en ce qui concerne mon budget manga, je l'ai presque terminé, il doit me rester, si je dis pas de bêtises, 15€ pile, ou 15€, enfin en tout cas pas 16, ça c'est sûr. Et je n'ai très clairement pas envie de les utiliser ce mois-ci, tout simplement parce que le jour où je filme, on est le 14. Demain, certes, je passe vite fait sur Bordeaux pour aller voir ma psy et je repars, je mange même pas sur Bordeaux. Et après, j'y retourne le 22 mai, étant donné aussi que c'est pour la psy et autres. Très clairement, je ne vais pas acheter, sachant qu'en plus, dans tout ce que j'ai au niveau de mes étagères et surtout de ma pile à lire, j'ai de quoi tenir du coup la fin du mois. Donc ça ira sur le mois de décembre et ce sera très bien comme ça. En ce qui concerne donc mes achats, j'en ai fait que 6, dont 3 d'occasion et 3 en neuf. Je vais d'abord te montrer les mangas d'occasion. J'ai d'abord acheté, donc ils étaient à 4,50 à Cash Express. Donc c'est l'intégralité en 2 tomes de Attaque des Titans Lost Girl. Et donc on lit le résumé à l'arrière, 2 femmes, 2 destins, 1 combat. Une nouvelle journée commence pour Annie à la caserne de la brigade spéciale des Stoess. Je ne suis pas sûre de la prononciation. Pourtant, ce sentiment de liberté disparaît très vite lorsqu'elle se rappelle de la mission qui l'attend le lendemain. Et je ne vais pas te dire parce que sinon ça serait un petit peu du spoil. Mais voilà en ce qui concerne le résumé qu'il y avait à l'arrière. Et après, on va voir la vie de Mikasa est chamboulée par sa rencontre avec Eren. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt intéressant. Même si j'avoue que l'Attaque des Titans, je l'ai fait en animé. Mais je me dis que des petits comme ça, les petits hors-série en fait d'Attaque des Titans, ils peuvent être plutôt intéressants et peut-être du coup me plaire. Comme il était en 2 tomes, je me suis dit que ça allait pas trop. Je prenais pas trop de risques en fait, tout simplement au niveau de l'achat et du fait d'aimer ou pas. Ensuite, en occasion, j'ai acheté tout simplement le tome 2 de Love Story. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez, sur la chaîne Hentai, même si c'est du Ichi, que je vous fasse une vidéo sur la série, en peut-être 2 ou 3 vidéos avis sur ce qui s'y passe. Je l'ai déjà l'intégrale à la maison, j'ai les 50 tomes plus le bonus. Mais là, j'ai acheté le tome 2 tout simplement parce que j'ai eu 2 ou 3 personnes qui m'avaient évoqué que l'idée de faire des tableaux, des toiles, du coup avec du Hentai, pouvait les intéresser. Et bon, très clairement, c'est du Ichi, on n'a pas tous les détails, mais je me dis que ça peut être aussi plutôt sympa au niveau des illustrations, etc. J'ai regardé l'intérieur, il était plutôt intéressant au niveau des pages, etc. qu'on avait. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter. Il m'a coûté quand même 4,99€, donc si je fais une toile, elle sera un tout petit peu plus chère parce qu'il faut combler la différence de ce que je prévois au niveau du prix. Je te laisse aller voir la vidéo pour comprendre ce que je sous-entends. Mais toujours est-il, voilà, j'ai acheté ce petit tome 2 et ça me fait très plaisir. J'ai très très hâte de tenter du coup de faire une toile hentai. Ensuite, j'ai acheté en neuf Bye Bye Liberty tome 3. J'ai déjà présenté ce titre, la vidéo est disponible techniquement sur la chaîne. Mais j'avais revendu les tomes 3 et 4 sur la série étant 4 tomes. Sauf qu'après j'ai regretté, donc j'avais retrouvé le tome 4 en occasion et le tome 3 il me le manquait. Et là je l'ai pris parce qu'il est à 6,80€ et il va faire partie des augmentations. Alors je sais plus de combien, mais sache que là les 3 mangas que je vais te montrer en neuf, si je les avais achetés en 2023, j'aurais eu 90 centimes de plus d'augmentation. Je dis ça, je dis rien. Sachant que les 2 autres, en fait, c'est des Nobby Nobby, donc c'est plus 25. Donc 25 et 25, 50. Donc lui, du coup, je crois qu'il y a 40 centimes d'augmentation. Donc ça fait mal. Ensuite, donc, j'ai pris le tome 2, le tome qui me manquait pour Yuzu, la petite vétérinaire. Parce que si tu as vu ma précédente vidéo achat, j'avais acheté du coup le tome 3, 4 et 5, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en tout cas, j'ai complété Yuzu. Ça me permettra d'avancer au niveau de la pile. Et bah déjà, c'est aussi économiser 25 centimes, éventuellement. Hein, ce n'est pas négligeable. Et ensuite, j'ai craqué pour commencer du coup la série Stella Witch, L-I-P-Lips. Voilà. C'est une série qui est, je crois qu'elle est terminée au Japon. Oui, c'est sa série complète en 5 tomes. Alors certes, du coup, on n'aura que le tome 1 avec moins 25 centimes. Mais je me dis que ça peut être aussi pris comme si c'était une offre de lancement, 25 centimes de moins, lis-le. Et puis, série courte, au pire du pire, voilà, c'est pas trop grave, ça fera 1€ de plus. Voilà.
Je finis par me poser la question si je vais pas envisager de faire des photos de mes pieds et de les vendre. Voilà. Bref, toujours est-il. Voilà en ce qui concerne donc mes 3 achats en neuf et donc mes 3 achats d'occasion du coup pour cette fin de mois de novembre. Mais je n'ai pas acheté que ça. Non. Parce que le jour où j'ai acheté en fait Step Up Love Story, c'était donc le samedi 12 novembre. Et le samedi 12 novembre, j'essaie de trouver où les poser sans que ça se casse la gueule, ça va se casser la gueule. Et donc le manga Step Up Love Story, je l'ai acheté le 12 novembre. Le 12 novembre, j'étais de sortie sur Bordeaux pour aller voir mon meilleur ami, que je surnomme Luffy. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un petit Luffy ici dans mes étagères. Et nous avons fêté officiellement, parce que ça s'était passé mais on n'avait pas fait une journée ensemble, nous avons fêté officiellement nos 15 ans d'amitié et on a fait donc le ciné-concert Naruto. Si jamais vous voulez un avis sur le ciné-concert, n'hésitez pas. Mais je ne pense pas faire de vidéo spécialement dessus parce qu'en plus, on n'a pas trop d'images, etc. pour illustrer. Donc c'est assez compliqué. Mais toujours est-il, on est passé à Jouer Club. Et en fait, à Jouer Club, j'ai trouvé ce panda qui fait un câlin à un bébé panda. Ils sont attachés ensemble. Donc, je l'ai acheté par souvenir et de cette journée, etc. Donc, le gros panda s'appelle Luffy et le petit panda s'appelle Ibi. Voilà, tout simplement, c'est Luffy qui me fait un câlin et qui me lâchera pas. Et qui me lâchera sûrement jamais de la vie. En tout cas, ça fait 15 ans d'amitié que j'ai avec cet homme qui est juste, comme j'aime l'appeler, l'homme de ma vie. Hein, très clairement, c'est le seul homme de ma vie. Voilà, c'est mon meilleur ami, c'est mon poussin, je l'aime plus que tout. C'est vraiment quelqu'un de formidable, de gentil, d'attentionné, de tendre, de généreux, de tout. Et c'est vraiment une personne... juste au top et moi c'est mon meilleur ami, je suis très fière de faire partie de sa vie depuis déjà 15 ans et très très fière d'avoir cet ami là dans ma vie parce qu'il m'a vraiment beaucoup soutenu, beaucoup donné, beaucoup aidé dans ma vie dans ces 15 dernières années parce qu'il faut savoir aussi, je vous le redis hein, au cas où pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une pause de cosplay pendant 9 ans et Luffy faisait partie des gens que j'ai connus avant et qui faisaient aussi du cosplay et des conventions. C'est la seule personne à qui j'avais gardé contact. Et j'ai jamais regretté d'avoir gardé contact avec lui, etc. Et c'est mon meilleur ami, j'y tiens plus que tout au monde. C'est l'une des personnes les plus importantes maintenant dans ma vie. C'est même la personne numéro 1 depuis plusieurs années. Depuis au moins 3 ans, vu qu'avant il y avait Pandy. Mais voilà, Luffy est vraiment une personne complètement à part. Et que qu'on croise sa route et qu'on fait partie de sa vie, on est heureux d'en faire partie. C'est tout ce que j'ai à dire. Cette vidéo est à présent terminée, je suis désolée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Promis, la prochaine fois, je ne pleurerai pas. Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux, mon compte Vinted. Ici, une précédente vidéo, une autre vidéo ici que je te mets en recommandation. Et sur ce, je te retrouve.